Ouais, je disais tout à l'heure, j'aurais peut-être dû faire un live en fait, parce que on se sent un peu seul sans les gens qui mettent des coms ou qui te regardent. Quoique je sais pas s'il y aurait eu beaucoup de gens connectés de 1h du matin à... Oh, je sais pas quelle heure. Peut-être 5 heures. Je crois que 5 heures, c'est pas beaucoup. Oh, je vais être défoncé à la fin. Putain, je vais enlever ce micro parce qu'il me saoule. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh! Ouais, non, là, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Oh, le fail. Bon, l'avantage que ce soit pas en live, c'est que je peux faire une pause si je veux et revenir. Mais bon, je compte pas m'arrêter là et revenir demain matin. Ça va être un massacre sinon. C'est tellement horrible de reprendre une partie le matin, je trouve. En général, on galère. Ah, mais en plus, je dois niquer Wampy. Je m'en souviens là d'un coup. Il a voulu me battre sur ville parce que je le charriais, il a fait vague 46. Et ouais, c'est pas la 44 que je dois battre, c'est la 46. Ouais, bon, tranquille. Je ferai peut-être une pause d'ici là, histoire de me reposer 10 minutes. Je vous couperai ça au montage et je reviendrai. Ça dépend de mon état. J'ai bien envie de faire des blagues de merde pour me réveiller là. Oh merde, il me reste un chargeur. Ouais, je vais le changer, vous savez quoi. Wow, tu meurs ou ça se passe comment? Là, il m'en reste 3. C'est tout. Donc on vise un DSR ou un lance-roquette ou des IEM, nickel.
Putain, c'est pas possible ça. Je veux des putains d'armes. Il me donne des lance-roquettes. Je fais un lance-roquette, il m'en donne pas. Ce serait des barres que je vois en trickshot en direct. Oh le con! Oh le couillon! Oh l'IEM! Allez, on va arrêter de faire le con. Si je tape une fin de partie comme ça, je me tire une balle dans la tête direct. Bon, il y a quoi? Ouais, non, c'est bon, je prends la mire. Non! Faites chier! Putain! Ah ouais, non, mais là, faut vraiment que je me réveille. Hein. Putain, j'ai tellement l'habitude du multijoueur, du trickshot que je fais le lance-t'assaut avec les grenades tactiques. Wow! Comment se gâcher de grenades IEM? Allez! C'est un scandale, je suis. C'est vraiment un scandale! Je suis obligé de l'améliorer 4 fois pour avoir ma mire. Oh putain, j'ai pas regardé les. Le score du match. Honduras Colombie. Non mais c'est un scandale! De gueule, vous me la filez mamie ou ça se passe comment? Mais merci, putain. Eh, hey, tu manges pas la trop une balle toi. Colombie Honduras. Et voilà, évidemment, je capte pas le wifi en bas. Ah là là. Si seulement on était en live, un abonné aurait pu me donner les résultats du match. Voilà. Oh, les esquives de bord. Ah non, rien dit. Bon, au DSR avant je sortais pour défoncer l'état, mais finalement je préfère rester dedans. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille, sérieux. Oh le con! Oh my god! Oh putain! Ouais, vous allez vous rendre compte que quand je me fais bloquer, je gueule des trucs en anglais. Hein. C'est tout à fait normal. Je vous rassure. Ça c'est l'habitude, ça c'est réflexe. Parce que je suis un peu bilingue en fait, voilà. Non, je rigole. Putain, là j'ai vu le revive partir sous mes yeux. Le quick revive défiler sur mes yeux. J'ai eu de la chance là. Là j'ai vraiment eu de la chatte. Puis pourquoi je fais le con aussi? Pourquoi je prends le DSR? Ah oui, petite astuce. Bon, les snipers ils connaîtront sûrement. Mais les autres pas forcément. Quand vous utilisez un sniper en zombie, recharger juste après avoir tiré, ça annule le verrou si on attend un certain temps. Donc, quand vous n'avez pas tour de passe-passe, c'est pas très utile, mais quand vous avez tour de passe-passe, vous pouvez enchaîner les tirs extrêmement rapidement. Juste en... Oh le massacre!
juste en rechargeant après avoir tiré, voilà. Et après vous faites par exemple un double Y ou un petit coup de sprint et vous retirez. Et vous pouvez enchaîner comme ça. C'est assez violent. Je sors et voilà et voilà et voilà et voilà et la voilà et la voilà la première émo. Putain, honteux, honteux. Oh le con, oh le con. Oh le scandale! Oh bordel! Oh non! C'est une blague! C'est une grosse blague! C'est une énorme blague! Non, c'est pété! Non! Non, j'arrive pas à m'en remettre. Non, 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 non. Non, non. Non. Putain de... Putain. Putain de merde! Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Bon, bah voilà, je me suis bloqué comme une... Comme une grosse merde, hein, voilà. On va pas se leurrer. Non, mais putain, je suis con. Je pensais pas qu'il y avait des zombies là-dedans. Je pensais faire un tour et les paquets. Deux petits fils de pute qui m'ont bloqué. Et voilà. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il est 2h50. Je relancerai bien une partie et je reprends là où je suis mort, quoi. Mais le temps de retourner à la vague... Oh, vous savez quoi, je m'en bats les couilles, je relance. Je m'en bats les couilles, je vais pas m'arrêter à la vague 33, c'est une blague. Ah, vous savez quoi, je m'en fous. Je vous coupe ça au montage, je relance la partie et je reprends vague 33. A tout de suite. Yo tout le monde, c'est Iron, je suis de retour. Alors je vais vous expliquer un petit peu. J'ai relancé une partie parce que je pouvais pas laisser ça à vague 33. J'appelle pas ça une tentative de record. J'ai relancé une partie, j'ai rushé comme un malade les manches, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Il est actuellement 4h30 du matin. J'ai donc réussi en 1h30. Alors que j'avais mis 2 heures en commentant. Voilà, je suis vague 33, fin de vague 32. Je me suis démerdé pour avoir exactement le même stuff, c'est-à-dire un Mark II, un Maccabé Reactor 5000 avec la mire, des grenades IEM et un Quick Revive en moins. Et oui. Bon, j'ai vraiment fait une belle connerie et je me sentais tellement con. Alors voilà, j'ai redémarré et... J'espère que je referai pas cette vieille connerie. Bon. Let's go pour la vague 33. Putain, ça m'a stressé toutes ces conneries. Surtout que... Après j'ai tapé une émo là. Bloqué sur le mur par un zombie. Putain, du coup maintenant j'ai la phobie de ce mur, c'est horrible.
Dès que je vois un zombie qui spawn là-bas, j'ai peur d'y aller. Je commence à ressentir la fatigue. J'ai plus de coca. Mais j'ai une bonne technique au DSR. Et ça vaut tous les coca du monde. Bon, il y a Vali qui m'a lâché il y a une demi-heure à peu près. Il a dû partir. Je lui avais dit, allez, je parie, je le fais en 1h30. Je l'ai fait pile 1h30 à la minute près. Enfin bon, let's go. Et pas de conneries cette fois. Voilà, ça permet de pas défoncer tout le tas et de pas faire spawner tous les zombies en même temps. Bon, c'est plus lent, mais... Le pire, c'est que j'ai fait la partie exactement de la même manière. Je suis parti avec MP5 amélioré. Comment ça s'appelle? Mustang amélioré. Après, Mark II. Non, j'ai juste rajouté le lance-roquette amélioré pendant 2-3 vagues avant de prendre le DSR. Et bon, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Bon, c'est calme pour l'instant, sauf ça. Putain, voilà. Mais je vous promets, il m'a traumatisé ce mur, c'est chaud. Et en plus, dans les 1h30, j'ai fait une petite pause. Alors, je les ai vraiment rushés les manches. J'ai jamais dû aller aussi vite. Là, j'ai flippé là. J'essaie de pas trop prendre de risques, mais bon, ça avance lentement. Ouais, faudrait que j'avance plus vite quand même. Au final, cette histoire, ça m'a fait perdre un max de temps. Et merde. En fait, ça marche, la technique de Dims d'aller dans le bar et passer par le quick revive pour pas trop que ça spawn ici. Je l'ai fait à une manche et... où j'avais pris un charpentier. Ça a marché. Thank you.
Let's go. Bon, j'ai encore le temps. 4h45. Ah quoi, 4h45, c'est chaud quand même. Ah, la technique que j'utilise, elle est vraiment safe, mais elle est vraiment lente. Merci mon instant. Double point, on s'en bat les couilles. Risquez pas votre vie pour des doubles points par exemple. C'est idiot. D'ailleurs, je vais vous parler un peu des manières les plus courantes de mourir sur cette map. Ouais, je pense qu'on peut les regrouper en catégories. Oh ! Ça, c'est une des catégories. Non, je vous en supplie, pas la fin de partie. Je vous en supplie. C'est bon, tranquille. La première, c'est de mourir en se faisant bloquer, exactement comme j'ai eu. Donc parfois on n'y peut rien. Parfois c'est une erreur de notre part, une mauvaise esquive. Après il y a tout simplement le surplus de baf, quand on se prend trop de baf d'un coup, un peu partout, et puis on est rouge et on n'arrive pas à éviter le bout de lave ou la dernière baf. Ça fait rager en général. Putain de merde, il me reste un quick revive. Je suis pas assez attentif, je suis pas assez gaffe. Ouh, putain, j'ai eu chaud. Et après, bon, on va dire catégorie divers. On va faire comme j'ai fait vague 33. Faire un truc bizarre que on n'a pas l'habitude de faire, qu'on fait sans réfléchir. Genre là, je suis sorti, je sais pas pourquoi. Je pensais à autre chose. Faire le con. Bon, avec une Semtex, tout ça. Mourir à cause des bonus. En voulant aller chercher une nuque. Trop de baf, trop d'explosions. Voulant aller chercher une mort instante, se faire bloquer ou se prendre trop de baf. Ça c'est vraiment chiant. Et voilà quoi. Ah oui, et bon après, il y a partir le soir parce qu'on peut plus jouer, revenir le lendemain matin et pas arriver à jouer et boum. Ça c'est la mort directe.
Je suis en fin de vague? Non. J'avais tellement bien commencé ma partie avant, j'étais tellement confiant. Tout allait bien. Et boum, et là j'en tape une deuxième. Ah, putain. C'est chaud quand même. Je vais me faire bloquer par la voiture. Bon, je vais au moins taper de la vague 40, faut pas abuser non plus. Fin de vague. Vague 35. À propos du sponsor aussi, je sais plus si on vous en avait parlé dans une vidéo, mais il y avait un sponsor, enfin une multichaîne qui nous avait contacté pour signer un contrat avec eux et pour rejoindre leur réseau. C'était Maker Studio 3 et on savait pas quoi faire et finalement on n'a pas signé. Parce que ça risquait de nous prendre des droits sur notre chaîne, l'administration de la chaîne, etc. Donc on n'a pas voulu prendre de risques. On n'a pas signé mais je pense qu'on peut, on peut toujours le faire. Ah, la compagnie de Valley me manque. Non, je suis pas bon sans faire le coup.
C'est à partir que des vagues 25 hein, que ça commence vraiment à s'allonger un peu. Et après à s'allonger beaucoup, c'est les vagues 40. Quoique à partir de la 35, c'est déjà pas mal. On va éviter de se refaire bloquer. Oh. Allez, pas de risque. Bon, j'ai fini la nique. J'suis désolé, hein, je crois que vous devez entendre les bruits de mes touches. Sur la manette, mais simplement le micro qui est un peu spécial. J'ai déjà baissé le son du jeu à fond pour pas qu'on entende. J'ai remarqué qu'on entendait la manette. Ah, je vais faire une synchro. Voilà, mon fond de vague. Vas-y, je suis chaud là. Je peux le faire. Les munis, bien sûr, ça, tout le monde le sait, on n'oublie pas de recharger avant de les prendre. Ah oui, comme autre moyen de mourir, c'est bah, forcément l'inattention, mais surtout dans l'inattention, les sauts un peu de travers. Genre là, souvent, j'arrive là, je saute et je saute en fait derrière l'espèce de drap et le grillage. Du coup, je me retrouve bloqué là et je me fais très vite niquer. Il faut faire gaffe à ça. Il y a des endroits, il y a des moments où il vaut largement mieux pas sauter.
En même temps, c'est toujours difficile les zombies en nuit blanche. C'est pas comme en plein après-midi. C'est beaucoup plus dur. Mais bon, l'avantage c'est qu'on a le temps. Non, je vais pas faire le coup. Mauvaise idée. Il est 5 heures. Oh, c'est fini. Non. Bordel de merde. Tranquille, je peux le faire. On va faire un tour au bar. Bon, donc vous avez vu ma stratégie hein, quand je tombe en émo. Surtout pas reproduire la première stratégie que j'ai fait où je suis mort. Je pensais qu'il y aurait pas de zombies dans le bar. Mais je me suis trompé. Non, s'il vous plaît. Oh voilà, attends, j'ai de ces chances. J'arrive toujours au dernier zombie. Allez, une synchro. Je pense que la fatigue, ça se ressent un peu dans ma voix quand même, non? Là, je suis faible.
Alors je vais au moins passer les 40 quoi, faut pas abuser. Putain là par contre j'ai enchaîné les blessures. Tellement horrible de se faire bloquer. Parce qu'on est complètement impuissant, on peut rien faire. C'est tellement rapide en même temps. En une demi-seconde, c'est terminé. Recharger aussi, faut toujours attendre le bon moment. Si mourir à cause d'un rechargement, ça arrive aussi. Il faut bien choisir ce moment. Un moment où il n'y a pas besoin de sprinter surtout.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai vive le vent dans la tête? Non, ça se passe comment? Oh, ça m'arrive des trucs chelous là. Avec la fatigue. Donnez-moi des munitions. Faites pas chier. Oh putain, je commence à avoir des hallucinations avec la fatigue. Énorme. Mais bref, c'est pas le moment de déconner. Putain, on est bientôt. On est bientôt à la 40. Bon, faudra que je tape un vrai record en après-midi. Parce que là, le record, je le sens pas. Je sens plutôt la blessure. Là, j'ai fait quoi? Boum, plus personne. Ah, je sentais bien que ça allait arriver d'un coup. Non, je vous en supplie, putain de bordel de merde. Merci, mort instante. Que j'aime. Ouais, en fait avec cette technique on a à peu près toujours le même déplacement.
J'avoue, elle est interminable avec 38. Synchronisation. Voilà. Et c'est pas évident. Non, je t'en supplie. Oh! J'aime cette esquive que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps. Ah, si je la connaissais pas là, c'était la fin de partie. Faudrait la repasser au ralenti. Tac! On regarde vers le zombie. C'est l'esquive à connaître pour cette map. Ouf! Ah merde, j'ai cru que je pouvais. J'espère qu'il n'y a pas trop y avoir de décalage au niveau du son. J'ai pas un boulot de malade à faire au niveau du montage. Personnellement, j'ai appris à paquer sur ferme devant le c'est quoi, c'est un camion, un tracteur devant ça là, camion comme ça. J'ai appris là et puis sur ville. Puis après, ça marche partout.
Ils sont à la traîne, les zombies. Je devrais peut-être améliorer mon Mark II en fait. Je sais pas. Ah, la fin de vague. J'arrive à la 40. La 40. Putain, j'ai failli ouvrir la banque. Je suis doué. Je rappelle une autre chose très importante, comme vous regagnez toujours deux grenades. Non. Ouf. Comme vous regagnez toujours deux grenades en début de manche, je vous conseille fortement de lancer deux grenades si vous en avez quatre en fin de manche. C'est très utile, très très utile. Et ça détend. Voilà. C'est mon conseil du jour. Moi je les jette sur le pack-a-punch perso. Et toi où tu les jettes? Où tu... Oh putain, je sais même plus parler français. Il faut que j'arrête de parler là. Désolé si je parle plus beaucoup, hein. Mais là, j'ai plus la force de parler et de jouer en même temps. Ça devient compliqué.
Non! Non, non, non! Non, non, non! Non! Holy fuck! Holy fuck! Je sais pas quoi dire, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Non mais vous l'avez vu ce petit fils de pute? Ce petit zombie de merde là? Ce petit enculé, il est 5h30 du matin. J'ai toujours pas les fusils à pompe. Ce petit zombie de merde qui m'a bloqué. Et ben voilà, à cause de ce petit zombie de merde, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pas battu mon putain de record. Il est toujours de 44. J'en ai fait 40 des manches. Bon, je suis sûr si j'avais fait ça une après-midi, que j'avais été un peu plus frais, j'aurais pu aller plus loin. Là, j'ai le mal de tête qui s'installe, la totale. Donc bon, bah, sur ce, je vous laisse. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, ciao tout le monde.